cool, et niveau mon cardiaque, comment ça va? On va faire vite faire un tour de table parce qu'on se connaît pas, c'est la première fois qu'on se rencontre. Pierre. Louis. Adrien. Quentin. Ok, bon, ça va, pas trop stressé de venir à Rock en Seine pour jouer ce soir? Non, ça va. Ouais. Vraiment? Ouais. Vous avez pas vu la scène encore, je crois, hein, c'est ça? Si, on vient la voir. Elle est grosse? Non, c'est tout petit, mais. Je crois qu'il y a 300 personnes déjà qu'on peut quand même accueillir, c'est quand même pas mal. Il y a des stands et des trucs, des stands. Le but c'est qu'on en rentre 450 et que ce soit bondé au sol, bordel, que ça dépasse, il y a des bras. Que les gens soient dingues pour rentrer et qu'ils puissent pas. Et que la tente s'effondre à la fin. Du coup, alors pour suivre un peu la scène, vous avez été sélectionné dans les avant-scènes de Rock en Seine, ce qui est déjà plutôt sympa et plutôt cool. Vous jouez ce soir sur les coups de 20h, c'est ça? Oui. C'est votre première fois Rock en Seine, je me trompe pas à ce que je disais. C'est ça. Et du coup, vous êtes un groupe, on va dire, de pop, électro, psychédélique, qui va un peu dans tous les sens. Rien que le nom déjà est bizarre, alors la musique là encore plus, mais pourtant c'est très addictif, c'est très hypnotique. Moi je vous ai déjà vu, je crois, deux fois sur scène, et à chaque fois je suis assez impressionné. Et finalement c'est un petit groupe qui commence à monter, la preuve d'être sélectionné à Rock en Seine. J'aimerais bien qu'on parle de tout ça, donc du coup déjà c'est définir votre musique, comment vous la définissez vous? Bah justement comme tu l'as dit, ça part dans tous les sens, et le but c'est justement qu'on n'arrive pas à le définir. Les influences elles sont nombreuses, ça va dans tous les sens, et on parle un peu de... On reste dans un cadre pop, je dirais. Et après, on peut y ajouter tous les adjectifs qu'on veut autour de ça. Voilà. Vous voulez... Ça me va. Non, c'est d'accord. Ouais. Et du coup, ça fait combien de temps que vous jouez ensemble déjà? Un an et demi. Ça fait plus longtemps, ce qu'on jouait dans Mongle Park avant, mais ce temps-là, ça fait moins d'un an et demi, je pense, qu'on a créé Inigo Montoya. On joue tous les games. Ouais. T'es arrivé à combien de temps? Adrien nous a rejoint un peu avant. Sous Mongo Park, il a déjà joué avec nous. Enfin, on a déjà joué à trois, Pierre, Adrien et moi, sous Mongo Park pendant quelques mois. Et après, quand Louis nous a rejoint, on a changé de nom et on s'est appelé Inigo. Ouais. Et alors, du coup, donc Inigo Montoya, ce qu'ils disent, c'est un nom un peu bizarre parce que ça vient, ce qu'on voit dans tous les communiqués de presse, hein, ça vient en fait d'un personnage, un duétiste dans Princess Bride qui cherche à se venger de la mort de son père. Il y a une séquence assez fameuse qu'on peut retrouver sur YouTube. Alors, pourquoi ce nom? Il y a un esprit de vengeance à chaque fois? En fait, c'était avec Pierre, c'était notre film préféré quand on était gamin, et on voulait un nom qui claque. Alors c'est même pas Jurassic Park, c'est pas... Non, il y avait ça, Elastation Man. Jurassic Park. Ça aurait été pas mal comme nom de groupe, ouais. Ouais, enfin le personnage c'est Jack Slater, c'est un peu plus bourrin quand même. Ouais. Jack Slater, mais ça aurait pu ça être cool. Bien, non, Inigo Montoya, ce qui était cool, c'était ni français, ni anglais, bon, je sais pas, c'était... Puis il faut connaître la référence, voilà, il faut la connaître, ouais. C'est pour les avertis. Alors, mais du coup, il n'y a aucun esprit de vengeance. Votre musique, elle reste pop, assez, pas forcément facile d'accès, mais dès qu'on vous voit sur scène, en tout cas, ça marche super bien. Ouais. Et comment ça se passe du coup? Là, il y a un EP qui est sorti, je crois. Ouais. Fin mai. Sortir. Ouais. On a sorti un EP fin mai, nous-mêmes. Et on a fait des concerts depuis. On défend cet EP sur scène. Voilà, on voit. Et on prépare des morceaux pour la suite. Et l'envie, elle est quoi? Un autre EP ou carrément un album? Une vengeance. Pour la vengeance. Tu sais, c'est Sénèque. Sénèque disait, celui qui cherche la vengeance, qui creuse déjà sa tombe. Enfin, il disait pas exactement ça comme ça, et c'est même peut-être pas lui exactement qui le disait. Mais je crois que c'est un vieux philosophe grec qui disait ça. Donc, on creuse une tombe là, et après on venge, et après on. Après on ressuscite. On s'y met tous, et après on le ressuscite. Ouais. C'est ça qui m'ont pris dans le groupe. Hein. Voilà, ça repartit. Côté hein. Jésus. Non, mais alors du coup, il y a un album qui se prépare, qui se pense déjà. On fait juste des morceaux, et puis on va voir. En fait, il faut de l'argent pour faire un album. Il n'y a pas. On est encore sur cette EP là, on n'est pas non plus ultra pressé. Je pense d'ici quelques mois, on va se décider, on va voir ce qu'on fait ensuite. Au moment où d'ici la fin on se concentre et on essaie d'avoir des nouveaux morceaux. Déjà à jouer sur scène. Ouais, le but c'est de faire plus de scènes possible. Ouais. Enfin, d'ici la fin de l'année, en tout cas, notre objectif c'est de tourner beaucoup plus en province et après faire quelques dates un peu bien, enfin, des dates un peu références. Comme Rock en Seine. Ouais, voilà. Comme Rock en Seine ou la fête de l'Huma. Ouais, on joue la fête de l'Huma. On sera à la fête de l'Huma aussi. Ouais. Ah, c'est pas mal ça. Donc, justement, c'est nos premiers gros festivals, donc on va un petit peu voir ce qui se passe avec ça. Et vous êtes là sans stress, vous vous dites que non, vous faites votre musique, vous verrez bien en fonction des retours des festivaliers. Parce qu'il y a quand même pas mal de professionnels aussi qui vont certainement vous voir, peut-être pour la première fois. Il n'y a pas grand chose de plus à faire, en fait, il n'y a pas à se mettre la pression, c'est juste, on fait notre musique. De toute manière, tu l'as dit, on fait une musique assez bizarre apparemment pour beaucoup de gens, donc
on a conscience qu'on va peut-être pas forcément faire un énorme buzz avec cette musique un peu bizarre ou quoi que ce soit. Et pourtant vos clips ils fonctionnent plutôt bien, ils sont vus, ils tournent pas mal sur les réseaux sociaux, peut-être que c'est par rapport à ma sphère, moi, de professionnel, de mec qui sont passionnés de musique, ouais, etc. Peut-être. Là il y a Nuit Blanche qui est sortie aujourd'hui, ouais, hier en exclusivité sur un autre média. Ouais. Mais qui fonctionne bien, j'ai eu pas mal de bons retours. Ça c'est le bon, secret, c'est qu'on met toujours, on met toujours du sexe dans nos clips, c'est pour ça. C'est... Ouais, c'est vrai, il y a pas mal de petits zizi. Il y a quand même un truc assez accessible, je trouve. Enfin, en fait, ça parle quand même... même s'il y a quand même un truc que les gens diront un peu bizarre ou qui part un peu dans tous les sens, il y a quand même un socle pop et harmonique. Et très festif aussi, sur ouais, ça. Ouais, enfin, il y a un truc, je pense, qui... Voilà, donc... Ben c'est bizarre, moi c'est peut-être le mauvais mot que j'ai utilisé parce que c'est un côté un peu négatif, mais en fait bizarre non, c'est parce que c'est très nouveau c'est cool, et surtout c'est des sonorités mélodiques, non pas forcément bizarres, mais qui par rapport aux mots et par rapport aux mélodies sont assez nouvelles justement dans cette sphère pop française. Là typiquement, moi j'ai rencontré Aline il y a quelques jours, c'est carrément de la pop anglaise on va dire, même si on parle français, du coup ça part dans d'autres styles et c'est vrai qu'il y a peu de groupes en équivalence sur lesquels on peut se référencer, en tout cas en France. Mais c'est pour ça que quand tu nous demandais de définir un peu notre musique, on parle de pop avant tout, parce qu'on a beau s'amuser avec des arrangements bizarres, ça peut être un morceau qui à la base est écrit pour piano-voix, et une fois qu'on va se retrouver devant le morceau, là on va se dire, ok, quelle mise en forme un petit peu marrante et un peu différente de ce qu'on entend, on va pouvoir trouver. Mais on garde une mélodie quand même assez accessible, et un format, même si c'est pas forcément du couplet-refrain, après, ça reste assez un format de 3-4 minutes. La manière de voilà, faire, assez c'est ludique. Rigolo aussi. Enfin, on s'amuse à redécouper plein de sons dans tous les sens. Bon, il y a un côté un peu patchwork, quoi. Puis les concerts sont pas les mêmes. Moi, je les ai vus, je pense, il y a déjà un an. Même si c'est les mêmes morceaux, ils ont carrément évolué. Ouais, on les fait un peu évoluer. Et puis, par rapport à ce que tu disais sur le côté festif, c'est vrai que je pense que notre rêve un jour, c'est de faire des concerts pas à 20h mais plutôt faire des concerts à minuit, ouais. Et face à des gens qui sont peut-être un peu plus bourrés ou moins plus prêts à se lâcher sans être dans l'esprit et, salut c'est cool bien sûr mais... non mais toi c'est juste que surtout que là on l'aura pas au festival, mais en fait on travaille avec Zeucle qui ont fait le clip de Nuit Blanche et de Après le Serpent, qui font les projections live aussi, ils ont des projections c'est vrai. Ils nous font des projections en direct en fait en live, mais ça on peut le faire que dans les bonnes salles le soir ou de nuit, donc là on peut pas, cet été on pouvait pas jouer dans cette configuration, mais il y a aussi une idée d'avoir un univers visuel fort, même en live, et où justement que ce soit une expérience, c'est pour ça qu'aussi les concerts à minuit, ça peut être intéressant, quand les gens sont un peu plus bourrés, etc., d'avoir ces projections un peu psychédéliques avec cette musique qui va avec dans la pénombre. On verra ça certainement peut-être l'année prochaine, parce que la plupart des groupes d'avant-scène qui fonctionnent bien et qui continuent à travailler, on les revoit ensuite à Rock-en-Scène, comme Pop qui était un peu plus loin derrière. Sur la grande scène, sur Réveur Pabot aussi. Ouais aussi, ouais. Ouais. Qui font les avant-scènes et puis derrière évoluent. Bon, en tout cas, je vous remercie pour ce petit verre. Je vais vous laisser parce que je pense qu'il y avait pas mal de promos et puis ça vient de arriver le concert. Donc on se retrouve en tout cas très prochainement et à ce soir. Merci beaucoup. Ciao. Merci ciao. C'est Sénèque. C'est Sénèque, hein. Mais j'en sais rien, moi.